Alors aujourd'hui, nous allons tester le paddle. On va tester donc avec des amis. On va voir ce que ça va donner. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis sûr que je vais tomber à l'eau. Alors c'est aussi ça à Dakar. Ah, voilà, première expérience de paddle. On essaie de retourner pour attendre nos amis. L'expérience est assez folle. Pour l'instant, je ne suis pas encore mis debout. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et nous faisons du paddle. Enfin, avec nos amis. On tente de faire du paddle, merci. Pour l'instant, je tiens encore sur la planche. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Allez, c'est bon. Un petit coup de rame. On avance tranquille. On essaye. Je peux vous dire que c'est pas évident de tenir debout. Alors mieux vaut rester d'abord couché ou assis. Les rudiments du paddle. Et voilà, retour on the beach avec nos amis les surfeurs, jeunes surfeurs qui vont prendre la vague. En tout cas, le paddle, c'est pas évident. Il faut faire attention à l'équilibre. Il faut faire attention au courant, au vent, à la marée. Bien maîtriser son équilibre, son centre de gravité, c'est important. Commençons petit, restons d'abord accroupis. Les tentatives debout, en tout cas, se sont soldées par des échecs, mais ça n'empêche pas que on pourra retenter l'expérience. C'est une expérience intéressante. On voit notre ami aussi accroupi. En tout cas, ça vous fait les bras. Expérience. Émotion. Séquence sportive. Séquence éducation. Apprentissage. C'est aussi ça, Dakar. Voilà. Nous sommes donc aux Almadi sur la corniche. Vous avez ici le Secret. Et la plage du Secret avec là où on peut apprendre le paddle, surf. Et donc, en ce moment, c'est marée basse. Et on peut voir Happy qui apprend à faire du paddle. Et autour, quelques surfeurs. À votre gauche, là-bas, on voit le phare des Mamelles. Pourquoi les Mamelles, en fin de compte? Ce sont deux anciens volcans qui sont juste côte à côte et qui ressemblent en fin de compte à des mamelles, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le quartier et le secteur les Mamelles. Voilà, à suivre.